les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient. Ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'ai interdit éternel. Bonjour. Sehr verschmiert, egal ob es böse oder politisch ist.
Salut. Nous allons écouter la parole, une petite exhortation, et j'aimerais bien que nous puissions nous incliner et prier pour ce temps de parole. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, que nous sommes régénérés par une semence qui n'est pas incorruptible, mais une semence qui n'est pas corruptible, mais une semence qui est incorruptible. C'est cette parole de Dieu qui demeure et cette parole qui est vivante et cette parole qui est efficace. Nous allons écouter ta parole, prions que tu puisses, à travers cette parole, aussi nous fortifier, et tu puisses nous servir de l'instrument qui va parler, et tout cela pour la sainte gloire de notre nom, j'ai supplié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur. Chers invités, membres de la famille, j'ai la double de responsabilité ce matin d'apporter une parole de la parole Seigneur. Avant de commencer, comme le pasteur Bruno l'a fait, je voudrais remercier toute la communauté africaine et surtout congolaise pour votre élan de solidarité. Et merci aussi à tous ceux qui ont organisé cet événement. Dans ce contexte, chers frères et sœurs, il est nécessaire de regarder ce qui est le cœur même et de dire la question, maître de l'univers, le seul qui a l'autorité sur toute chose, sur les vivants et sur les morts. Dieu le Père, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Le thème de mon intervention ce matin est le regard sur Jésus. Oui, mes chers frères et sœurs, nous devons porter notre regard sur la personne de Christ. Il est le rocher des âges. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant sur qui tous les espoirs sont possibles et par qui nous pouvons défier tous les paramètres de la vie. Voici donc ce qu'il déclare en sa parole. Pour tous ceux qui sont abattus, déçus ou en colère, il dit ceci, je paraphrase, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être consolés. Et Dieu lui-même, notre Seigneur, ne sera plus parmi nous. Il est parti et c'est fini. Mais le Dieu de toute consolation peut faire quelque chose pour nous qui sommes ici. Comme je l'ai dit, nous sommes bel et bien malheureux. Perdre quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Mais il y a une question qui demeure, chers frères et sœurs. Comment est-ce que nous pouvons arriver à trouver cette consolation? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions recevoir cette consolation de la part de Dieu? Et la Bible nous donne cette réponse dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Je paraphrase. Ayant le regard sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui m'était réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a promis une consolation. Dieu a dit qu'il prendra la responsabilité pour nous consoler. Mais mon invitation ce matin pour tout un chacun de nous, pour la famille, pour les amis, pour les collègues, mon invitation est que nous puissions tourner notre regard sur Jésus-Christ. Que nous servons le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est véritablement Dieu, il peut faire ce travail, il peut nous consoler. Et si nous regardons à lui, chers frères et sœurs, nous serons véritablement consolés. Avant que je puisse terminer, il y a deux choses que je voulais parler. Dieu, dans sa parole, le Dieu de la consolation, nous donne deux promesses. Il y a beaucoup de promesses. Chacune de vie ici présente a une promesse. Chaque minute que nous passons dans notre vie a une promesse. Chaque heure que nous passons dans notre vie a une promesse. Notre vie, Dieu l'a créée avec des promesses. Mais il y a deux promesses que je voudrais souligner en ces lieux. La première promesse, nous la trouvons dans Jérémie chapitre 31, le verset 13. Alors, alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je change. Vas-y, maman, il met ses lèvres, d'ailleurs. Vas-y, maman, il met ses lèvres.